Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de français langue étrangère niveau 3 du grado de turismo qui se déroulera au deuxième semestre. Je m'appelle Maria Luisa Pinheiro Maceiras et je suis chargée de ce cours pendant cette année académique. Dans cette présentation, je voudrais attirer votre attention sur quatre aspects dont il faut être très conscient lorsqu'on met en route un processus d'enseignement-apprentissage dans une langue étrangère de spécialité. Quels objectifs veut-on atteindre? Que va-t-on apprendre? Comment va-t-on apprendre? Comment l'évaluation va-t-elle se faire? Ces quatre aspects sont bien expliqués dans la guía docente et ils sont aussi minutieusement développés dans les différents chapitres de la guía de estudio. Il s'agit de deux documents importants dont je vous recommande très vivement la lecture. L'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère de spécialité, comme le français du tourisme niveau 3, exige une mise en relief très soigneuse des objectifs que l'on poursuit. Cette matière s'articule autour d'aspects du secteur touristique et d'éléments linguistiques, grammaticaux et discursifs de la langue française. Il faut donc s'occuper en même temps de la formation en langue étrangère et de ses difficultés par les biais des documents que je propose dans le secteur du tourisme. C'est dans la bonne articulation de ces deux axes que se trouve l'intérêt de cette matière. C'est pour cela que, à ce niveau 3, notre but sera de poursuivre cinq objectifs essentiels. Le premier, c'est améliorer la communication orale et écrite dans les situations professionnelles du secteur touristique. Deuxième, atteindre un niveau discursif textuel adapté aux besoins professionnels. Troisième, connaître le fonctionnement de la phrase complexe et sa fonction au niveau discursif. Atteindre une compétence linguistique qui s'actualisera dans la production de discours écrits oraux et dialogaux. Et connaître et utiliser de façon aisée le discours descriptif, informatif, explicatif, narratif et argumentatif. Il s'agit d'une reprise de toutes les données étudiées au niveau 1 et 2, d'une mise à point des compétences acquises précédemment en langue française et aussi il s'agit d'une actualisation des niveaux textuels et discursifs. Que va-t-on apprendre? La matière de français niveau 3 se structure en 6 unités de contenu. Unité 1, agence de voyage et loisirs. Unité 2, guide touristique. Unité 3, logement touristique. Unité 4, restauration. Unité 5, tourisme d'affaires. Et unité 6, vacances. Chaque unité thématique insère des contenus langagiers, communicatifs, discursifs et textuels qui sont organisés selon une progression préétablie. Comment va-t-on apprendre? Pour atteindre les objectifs marqués, les processus d'enseignement-apprentissage se déroulera de la façon suivante. Chaque unité, centrée sur un domaine spécifique du tourisme, se développera en 3 parties. Première partie, texte et écoute. Deuxième, contenu et documents. Et troisième, activité. Les textes, c'est le matériel de base de démarrage de chaque unité. Les matériels audio appelés écoute concernent soit la thématique de l'unité, soit les aspects linguistiques et discursifs à étudier. Les contenus et documents sont les explications grammaticales et discursives du programme. L'étudiant doit les connaître, les étudier et bien les manier pour la réalisation des activités proposées. Les activités vont permettre d'atteindre les objectifs prévus une fois l'étude de l'unité terminée et ces activités peuvent être de différentes sortes. Activités lexicales et discursives, activités grammaticales et activités audio et ou d'écoute. Les activités lexicales et discursives sont basées sur les textes proposés, les documents audio ou les enregistrements de l'unité. Toutes ces activités vous aideront à maîtriser la langue de spécialité de votre future profession et à avoir un rapport plus facile avec la culture française. Mais pour que vous puissiez tirer le plus de profit possible de cette matière et pour que votre apprentissage se fasse dans les meilleures conditions, je vous recommande vivement de rester continuellement en contact avec la langue et la culture française. Tout cela est bien expliqué dans la guía docente. Vous disposez aussi
d'une guía de estudio détaillée dans laquelle sont bien spécifiés les objectifs de chaque unité d'enseignement, les contenus, les activités ainsi que le matériel complémentaire. Chaque unité dispose également d'un forum à travers lequel vous pourrez poser des questions et formuler des commentaires. De même, la tutoria académica vous permettra de résoudre les doutes ponctuels qui pourraient apparaître le long du processus d'apprentissage. Le système d'évaluation de cette matière français 3 se fera de la façon suivante. Réalisation d'activités le long du semestre, examen 1 25%, examen 2 25%, examen oral 50%. Pour pouvoir faire la moyenne des notes, il est indispensable d'avoir fait tous les examens et d'avoir au moins 5 sur 10 dans chaque partie. Je vous rappelle que toutes ces informations sont recueillies dans la guía docente. Si vous avez des doutes précis, je serai enchantée de répondre par mail à vos questions et je vous souhaite une excellente année académique.